Hello à tous, on vient à peine de terminer le deuxième jour avec la voix un peu voilée du week-end de masterclass avec Patrick Rondin, Pascal Vignier et moi-même. Et vous vous apprêtez à regarder le petit report du dimanche qui a été fait par Matt du TSR / Rapid Show. Donc merci à toi Matt, puis bon visionnage. Parler aujourd'hui, qui ne va pas être quelque chose à sens unique, bien sûr. Ça va pas être uniquement de nous à vous, bien au contraire, c'est un petit bouillon de gratteux, voilà. Merci infiniment à vous d'accepter à nouveau de nous faire confiance, de vous être déplacé donc ce dimanche, alors que vous auriez tellement pu faire des choses mieux. Vous rendez compte comment vous employez votre temps et vos 50 euros? C'est vraiment un scandale, franchement. Quoi qu'il en soit, avant d'aller un petit peu plus loin dans le sujet, je vais vous présenter un petit peu comment s'est organisé l'après-midi, bien sûr. Bien entendu, les différents intervenants qui vont se succéder. Je réserve leur nom pour tout à l'heure, pour qu'il y ait un bronca absolu. J'ouvre pour les invités absolument prestigieux et spéciaux. Comme d'habitude, j'aime bien faire ça parce que je leur laisse l'auditoire fatigué. Comme ça. Évidemment, on est super, super contents et on est plein d'énergie pour essayer de discuter un petit peu avec vous de la technique qui, que ce soit moi, que ce soit Pascal ou Patrick, eh bien, ne va constituer aujourd'hui qu'un outil. Ils vous le diront mieux que moi tout à l'heure. Un outil pour faire quelque chose. Un outil qui a un objectif, qui comprend plusieurs étapes. Voilà. Mais on ne peut pas déterminer de points véritablement précis dans sa progression, parce qu'au final, et c'est pas pour être décourageant, mais plus on en sait, moins on en sait, quoi. Votre rôle, votre responsabilité en tant que gratteux et musicien, c'est plus important, sera d'habiller cette technique-là avec des choses à dire. Pour moi, c'est un relief. C'est comme quand on prétend prendre la parole devant vous, par exemple. Si j'arrivais comme ça, puis que je me mettais à parler d'une manière totalement monocorde, au bout d'un moment, sans aucun rythme, sans aucune ponctuation, vous décrocheriez et vous vous barriez au bout d'une heure avec raison. Alors que, bon, oui, quand il y a des phrases construites, il y a de la ponctuation et des points. Voilà. Il faut essayer d'animer son discours. Le code oral, c'est le code musique. C'est une compréhension. Même quand Malmsteen est sorti, il y a plein de gens qui pensaient que c'était de l'aller-retour parce qu'on n'avait pas toute l'analyse qu'il y a maintenant. Et moi, quand j'ai commencé, toi, c'est pareil, je mélangeais un peu d'hybride, un peu d'économie, tu vois, plus que d'hybride. Dans mes descentes, des fois, il y avait quelques coups vers le bas que j'ai viré petit à petit pour des raisons de choix. Mais en fait, au départ, je pensais que c'était ça, le truc, tu vois. Maintenant, tu as un support visuel. Dès que quelqu'un fait quelque chose, tu vois. On dit pas « je vais écouter de la musique », on dit « je vais voir une vidéo ». C'est pas que je suis en train de décrier quelque chose, je serais bien mal placé pour le dire, c'est juste qu'on n'a plus la même manière d'entrevoir les choses. On a la réponse tout de suite maintenant. Pardon ? Voilà, je m'apprêtais à vous présenter, mais je pense que tu vas t'asseoir sur un cactus, Pascal. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ma petite manière de voir, c'est la suivante. Je vous montre aussi tranquillement. Le but, c'est de pas être crispé, voilà. On va voir les autres positions juste après. Déjà, il faut essayer de choper le motion, parce que si vous l'avez sur le A, à la main droite, que ce soit A, B, C ou D, ce sera la même. Dégoûté d'autant d'économie picking, Patrick quitta la salle. En constatant l'absolue supériorité de cette technique par rapport à la sienne. C'était en toute humilité. On fait une petite pause et maintenant ce sera au tour des vraies guitares. Ça c'est mon son sans rien. Rien. C'est pas le meilleur son clair du monde. Hein. Non, c'est un peu sec. Ça change tout. Voilà. Alors là, je mets pas une tonne de gain parce que je la booste avec une Dodd Malmsteen pour rendre un petit peu le truc liquide. Ouais, là donc. C'est déjà super. C'est déjà, ouais. Évidemment, il y a un peu de souffle.
Donc un petit peu de noise gate et puis là. Ça va super bien. Tu as ton reverb et ton delay, c'est ça? Non, juste deux delays. Deux delays. Un delay pour mouiller en harmonique sans que ce soit plus fort. Et un delay pour passer en solo. Là, il y a plus de volume. Et je vous demande, s'il vous plaît, les amis, d'accueillir avec une bronca, mais vraiment faramineuse, digne de la de Bercy, Mister Pascal Vignier, s'il vous plaît. Merci à vous tous d'être là, ça me fait super plaisir. Merci à Arnaud d'avoir organisé tout ça, je crois qu'on peut l'applaudir parce que c'est du boulot. Wow. Il faut mieux qu'on l'applaudisse pour ça plutôt que pour son approche technique vraiment inférieure. C'est super cool, en fait ça donne vraiment envie de bosser, c'est marrant, je bossais des trucs avec vous tout à l'heure, c'est super chouette en fait. Donc ça a manqué tous ces moments, et puis très heureux aussi que Patrick soit là et qu'on soit tous ensemble pour partager un bout de notre passion. Et moi on m'a ordonné de m'occuper de la partie les gâteaux, alors je me soumets vraiment aux exigences, vraiment par dépit, parce que je porte pas cette technique, vraiment technique d'escroc. Bon, blague à part, non, c'est une magnifique technique les gâteaux, et j'aime beaucoup partager mon approche de cette technique avec vous. Je vais évidemment vous donner mes conseils qu'il faut adapter. Certains seront pertinents pour vous, d'autres non, encore une fois. C'est ce qu'on se dit à chaque fois, il n'y a pas de vérité absolue. Mes grosses influences en la matière à la base, hein, ce qui m'a vraiment fait me mettre à cette technique, c'est d'abord Steve Vai, après Joe Satriani, et ensuite Adnan Holsworth. C'est vraiment les trois qui m'ont vraiment influencé. Et puis après, moi, j'ai fait mon bout de chemin, même si on reconnaît des fois dans mon jeu certaines influences, surtout je pense celle de Satriani qui est la plus identifiable. Et si je devais faire un solo en legato complet, limite ça m'ennuie plus qu'autre chose, j'aime bien combiner quoi. De mon expérience en tout cas, je vais vous demander d'être plutôt en position classique, c'est-à-dire vraiment le pouce derrière le manche. À partir de la 12e case, ça se discute. Hein. Il y a le pouce qui peut apparaître un peu, on a un peu plus de côté. Tout à l'heure, on parlait justement du problème des cases qui se rétrécissent. Testez, et si ça vous convient pas, ne gardez pas. Mais voilà, en tout cas, moi c'est plutôt comme ça que je l'appréhende. Mais vous trouverez des super guitaristes qui font du legato et qui font pas comme ça, hein, qui au contraire écrasent les doigts. Donc c'est ça. Et donc les slides en legato, là, pour revenir du coup à notre sujet, c'est une condition évidemment de connaître ces gammes. Il est bien évident que tu peux pas exploiter la hauteur et l'horizontalité. Et c'est souvent pour ça qu'on voit plein de guitaristes qui savent jouer que verticalement, parce qu'ils sont à l'aise dans une boîte, une position, tu vois. Et dès qu'il faut en sortir, c'est fini en fait. Merci à tous, j'espère que voilà, ça va. Merci. Monsieur Pascal Vignier. Si tu veux, pour toi, j'ai des petits gâteaux. Oh. Voilà, ils sont dans le cercle. J'ai les gâteaux. Je vais aller faire un aller-retour pour aller chercher les gâteaux. Oh. T'as fait des économies alors. Ouais. Là, je fais toutes les premières doubles, toutes les trois doubles et des sextolets. Donc, c'est pour vous donner un exemple, toujours sur les trois mêmes notes, j'arrive déjà à faire des variantes. Donc voilà, ça c'est le truc intéressant. Donner des pistes, pensez à bien attaquer, bien qu'on ait évité le micro grave. Alors j'ai rien contre le micro grave, mais quand vous travaillez, c'est ça qui va vous permettre de réellement pas vous cacher au niveau de l'aller-retour. C'est-à-dire d'avoir vraiment un mouvement. Pour des raisons musicales, quand vous jouez, on s'en fout, il n'y a pas de problème. Et quand vous travaillez à l'aller-retour, c'est important d'entendre vos défauts de synchro. Parce que c'est le seul truc qui est insupportable en musique, c'est des désynchronisations d'aller-retour. Je ne donnerai pas de nom, mais il y a des guitaristes qui jouent comme ça. C'est horrible. Bon, hein. Ça devrait être interdit. Comment tu fais ça? C'est sur un album de Pascal Vignier, en fait. Donc le micro aigu, ça vous permet de l'entendre réellement. Un débit constant, même pas forcément très vite, mais de pouvoir aller partout avec ce débit-là. Et pas en respectant toujours les mêmes choses.
Messieurs, Patrick Ronda, merci beaucoup! Merci infiniment, Patrick. Encore aussi une salle pour monsieur Pascal Vignier. Ah là là, qu'est-ce qu'ils envoient ces deux-là? C'est pas possible. Et il va falloir que je jamme avec ça! Bon, tu vas nous mettre quoi comme petit mec? C'est sympa, moi j'aime bien ce qu'on fait pour le. Bah oui, c'était bien. C'est de l'art contemporain, mais... Ça permet d'illustrer tout le propos d'aujourd'hui, à part ça. C'est pas pire que d'habitude. Pascal Vignet. Ah, quel week-end, hein. Néo Geo fanatique, Arnaud, Nono, comme vous voulez. Tête de beau. Tête de beau. En tout cas, merci beaucoup. Je vais vous laisser deux pages. Pour remplir vos mails à adresse complète. Pourquoi adresse complète? Parce que Guitare Extrême soutient les deux jours qui se sont passés, hier et aujourd'hui. Et du coup, vous avez tous, chacun, droit à un abonnement de 3 mois, au magazine papier et numérique. Donc il a besoin de votre adresse physique. Et du coup, le mail, c'est pour recevoir toutes les turpitudes que l'on vous a proposées aujourd'hui. Donc merci encore. Si vous voulez caler des meubles, alors je sais pas quoi, faire des feux. Il y aura toutes les parts des 3 jams là qu'on vient de faire. Oui, voilà, c'est ça. Il va tout tabler dans l'aspect. C'est pour ça que je m'assure que Patrick était sur la bonne case. Avec un suivi 24h sur 24 pour les 6 ans à venir. Voilà. Et si je ne rentre pas dans l'heure, je suis un bâtard. Merci à vous, les gars.